Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de l'archange Métatron, notre bel archange Métatron de ce mardi 24 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et
tous bien. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé activation des chakras. Hier, l'archange Métatron nous demandait d'aligner tous nos chakras. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Eh bien, pour certains d'entre vous, le moment est venu de laisser partir le passé, abandonner le passé. Et vous concentrer sur, ce qui se déroule présentement dans votre vie. On a l'impression que l'horloge s'est arrêtée à votre passé, et vous ressassez, et avec des si, et vous vous dites que si j'avais, avec des si, on met pareil en bouteille, n'est-ce pas? Vous avez pris des décisions dans votre passé, vous avez assumé vos choix, et peut-être que, les choix n'étaient pas opportuns à ce que vous souhaitiez, eh bien, laissez partir, on ne sait pas revenir sur le passé. Libérez vos chakras de vos peurs, de vos doutes, en les harmonisant et en retrouvant confiance en vous. Évidemment, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez perdu confiance en vous. Et vous restez dans cette thématique. Allez de l'avant. Il est également important, n'est-ce pas, de purifier votre aura qui a accumulé, vos pensées et vos émotions, mais depuis tellement, tellement longtemps. Vous pouvez utiliser l'énergie des cristaux aussi pour retrouver votre équilibre et vous recentrer. Il serait peut-être bon aussi de modifier vos anciennes habitudes et concentrez-vous afin de juste puiser en votre âme et en votre cœur la persévérance pour aller au bout de votre mission. Alors faites un lâcher prise. Oui, je sais, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je le sais. Lâchez prise sur les vieux schémas répétitifs afin de vous défaire d'un stress qui pèse sur vos épaules. Parce que ce stress, il est très lourd à supporter. Donc essayez de faire ce travail en vous, de vous libérer, d'avoir confiance en vous. Mettez vos doutes derrière vous, vos peurs derrière vous. Allez de l'avant. En harmonisant, tous vos chakras, vous dormirez mieux, n'est-ce pas? Et vous serez beaucoup plus calme. En fait, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un ami qui vous a blessé et qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et vous avez du mal à pardonner. Le pardon, c'est une chose qu'il faut faire pour aller de l'avant. Même si cette personne vous a blessé, même si elle vous a fait du mal, envoyez-lui de l'amour. Pardonnez-lui, c'est son ego. C'est son ego qui a parlé. C'est son ego qui a fait que. Mais son âme, elle est pure. C'est juste son ego. Alors pardonnez-lui. Prenez le temps de vous en remettre
Et surtout, pardonnez-lui, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit quelqu'un qui soit proche de vous. Pardonnez. Et en plus, avec cette carte, eh bien, il ne serait pas impossible que vous receviez des signes en provenance de l'au-delà afin de vous encourager à écouter votre intuition. Alors, activation des chakras, c'est parce que vos chakras sont déséquilibrés, n'est-ce pas? Et notamment les chakras inférieurs. Vous manquez d'enracinement, donc essayez de faire ce beau travail et surtout pardonnez. Je sais, c'est pas facile. Je parle par connaissance de cause. Mais dites-vous que quand on y arrive, mais qu'est-ce qu'on se sent bien? Vraiment, je vous assure. Qu'est-ce qu'on se sent bien? Parce qu'on est dans l'amour inconditionnel, on est dans cet amour. Allez, on va de l'avant, n'est-ce pas? Courage, écoutez, voilà, mais la synchronicité quand même, hein? L'énergie de guérison, courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en notre Créateur et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Moi, c'est un beau message quand même. Allez, courage à vous si. Voilà, si vous vous sentez, si vous sentez que cette carte vous parle. Et je terminerai évidemment, moi, eh bien, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une toute belle journée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Thank you.